Salut à toutes et à tous les amis, c'est NekMao33. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play de PokéPatkoui, la grande aventure de Pikachu. Et donc on est parti. Bon, ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Je suis ravi de reprendre. Alors, je fais juste un petit truc, excusez-moi. Hop là. Ah non, 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 mais c'est... Voilà, je suis en train de me batailler avec avec Pinacle, c'est pas grave. Nouvelle version de Pinacle. Super, donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Oui, on avait retrouvé Tiplouf. Eh, ok, ok, il faut apporter du bois à notre ami Kyonotor. Ce serait plus pratique avec plus de ponts, non? Tu pourrais même aller jusqu'à l'île avec l'attraction. Mais je ne peux pas tout faire toute seule. Il faudrait que tu me ramènes encore 2 fagots de bois. Voilà. 2 fagots de bois. Alors, on va le faire tout de suite. J'espère que l'enregistrement se passe bien. J'ai fait tonnerre en même temps. Hop. Un morceau. Donc oui, pourquoi ma longue absence? Parce que j'ai eu des soucis avec... avec Sony Vegas, le logiciel que j'utilise pour monter des vidéos, il voulait plus marcher. Et récemment, j'ai reboot mon ordi, je l'ai reset, donc du coup, ça refonctionne et je suis content. Oui, voilà donc un premier fagot de bois. Il faudrait que tu me rapportes un autre tas de bois. Pas de soucis. L'autre, je ne sais plus où il est. Oui, on a vu Gobo vite fait, oui. Non, ça m'étonnerait qu'elle soit aussi loin, la caisse. Où est la caisse, s'il vous plaît? Où est la caisse? On l'avait faite, celle-là. Ah bah, apparemment, non. Bizarre, il me semble que si. Ou alors elles réapparaissent, je sais pas. Je ne sais pas. Bien, avec le bois que j'ai aussi ramassé, il y a assez pour construire des ponts. Merci. Ce sera prêt en un instant, ne bouge pas. Et voilà le travail. On peut aller partout maintenant. Je suis sûr que tout le monde sera content. Et d'ailleurs, mes amis m'ont dit que sur la place Union, une castorno était venue pour enseigner comment améliorer sa résistance. Et si tu allais la voir? Eh bien, on va le faire maintenant. Comme ça, ce sera fait. Alors, pour la petite anecdote, j'ai déjà fait cet épisode. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, étant donné que j'ai reset mon ordi, j'ai perdu l'épisode. Donc du coup, je me suis retapé 1h30 de gameplay pour être à peu près au même point. Je dis à peu près pourquoi, parce que souvenez-vous quand on avait fait la course d'obstacles sur les... Oui, sur les troncs. Eh bien, il y avait une baie dorée dans une case tout en haut. Et ben, quand j'ai refait le jeu, ce n'était plus une baie dorée, mais une baie rouge. Donc du coup, j'ai perdu 50 baies. Donc si on regarde, voilà, je suis toujours à 37 amis, là où je suis resté, mais je n'ai que 555 baies, au lieu d'en avoir 605. Bon, du coup, c'est pas grave, ça va pas nous handicaper plus que ça. Je veux voir le castorno, s'il vous plaît. Merci. Non, là, voilà. Je crois que tu t'entends bien avec les Kyonotor. On s'amuse tant dans le Poképark. Tu défies beaucoup de gens. Alors, tu as besoin d'une chose pour tenir, de l'énergie.
Si tu veux améliorer ton énergie, je peux t'aider. C'est seulement 350 B, c'est pas beaucoup, hein? Oui. Alors, commençons. Tu es devenu bien plus costaud. Tu as bien plus d'énergie. Ton énergie a augmenté. Ok, ça c'est cool. Donc vous verrez, pendant les combats, on a un point de vie en plus. On va retourner à la zone bannière parce que aujourd'hui, faut quand même qu'on avance dans l'histoire. Donc on doit aller voir le père Léviator qui se croit le maître de la zone et lui dire tu blagues, j'espère. Tu n'es maître de rien du tout. Donc voilà, il va falloir le raisonner en participant à son attraction, ce qu'on ne pouvait pas faire car il n'y avait pas de pont pour accéder à l'île de Léviator. Voilà, tout simplement. Je sais que ça fait plaisir à certains que je reprenne ce let's play. Moi aussi. Moi aussi, ça me fait plaisir de le reprendre. On va en profiter un petit peu pour se faire des amis, non? Parce que 37 c'est pas beaucoup et on a vu la dernière fois. Ok, on est devenu ami avec lui lors du dernier épisode. Les coraillons également, ils font des quiz. Y'a quoi dans la caisse? Une B, c'est sympa. On fait 10. Ah, et Torvol. Je veux Torvol, s'il vous plaît. Salaud. C'est pas grave. On va aller voir donc le père Léviator. Père Léviator. Raconte-nous une histoire, Pierre Léviator. Ah, attends. Ah non, mais te barre pas, sale piaf. Salaud. C'est quoi là-bas? Ah, c'est une bouteille. Oui, oui. Parce que les bouteilles... Alors, il y en a qui ici. On peut les amener dans la poubelle qui est là. La poubelle en verre, quoi. Recyclable, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et ça les recycle en meubles. Oh, deux chaises longues et une table en cadeau. Voilà, et je crois qu'il y aura des hamacs, des trucs comme ça si on continue. On peut faire ça, hein, si vous voulez. C'est une mini quête annexe, va-t-on dire. Un parasol en cadeau. Voilà. Krabi est venu jouer. Voilà, donc tous les moyens sont bons pour se faire de nouveaux amis. Enfin bref. Peut-être les Goélises là, si tu te poses. Ouais, super. On était devenus amis avec eux. Non, même pas. La zone glaciaire se trouve au-delà de cette mer. Ceux qui ne peuvent pas nager ou voler doivent demander à Loklas de les transporter. Hey, tu veux faire la course? Parfait. Arriveras-tu à me rattraper? Oui, mais lui, il va voler. Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Ah, par contre, c'est un salaud si se barre. De l'autre côté, voilà, parce que moi, je suis obligé de traverser le pont. Ah, salaud! Lui, il va être dur à voir. Ça t'est même passé. Passe-toi! Non! Oh, c'est bon. J'ai eu peur. Oh là là. Tu as gagné! Tu ne veux pas devenir mon ami? Je vais m'améliorer, promis. Et on rejouera. Et au fait, je vais le dire à tous mes amis. Comme ça, tous les Goélises du Poképark seront tes amis. Tu es devenu ami avec Goélises. C'est génial, non? Ouais, je sais que c'est génial. Alors, on va parler à Léviator. Un éclat de prisme. Ah, le truc qui brille. J'en ai un, oui, mais ça sert à quoi, franchement? À la place, écoute plutôt ça. Je suis le nouveau maître de la zone balnéaire. Et je vais même vaincre Florizarre et Brazegali. Comme ça, le Poképark sera à moi. À moi! Ah bah putain, complexe de supériorité, bonjour. Alors, c'est étonnant, hein? Ouais, je sais. Quoi? Alligator t'a demandé de venir me faire la morale? Mais ce sac à main ne m'arrive même pas à la cheville! Mais oui, c'est clair! Qu'est-ce qu'il croit pouvoir me faire, hein? Oui, quoi? Tu as beaucoup d'amis?
En tant que futur maître du Poképark, je décrète qu'avoir plein d'amis, c'est aussi un moyen de montrer qu'on assure. Oh, mais ça commence à faire du monde, tous ces amis. Alors, écoute bien. Si toi ou un de tes amis gagne à mon attraction, je reconnaîtrai que Pangoléon est et a toujours été le maître de la zone balnéaire. Et comme je suis généreux, je te donnerai aussi mon éclat. Compris? Bien sûr, il faudrait que vous gagniez d'abord, moi. Je prends 10 B pour laisser participer à l'Aquaturbo. Alors, prêt? Prêt! Bien, c'est parfait. Viens par là. L'Aquaturbo de Léviator. Tu nages sur une piste aquatique. Atteins la ligne d'arrivée le plus vite possible. Objectif 35 secondes. Comment jouer? Nage dès le signal du départ. Tu accélères en maintenant le bouton 2 enfoncé. Dans un virage, incline la télécommande Wii dans la direction où tu veux tourner. Tu accélères d'un coup en traversant les portes signalées par un drapeau. Attention à Carvana et à Sharpedo, si tu les touches, tu ralentis. Quand tu aperçois la ligne d'arrivée, c'est la ligne droite. Courage! Pokémon suggéré, Aquaquack, Castorno et Mustéboué. C'est qui le plus rapide qu'on a? Qu'on est, pardon. Ah, et Mustéflotte. Le bonus est en 23 secondes. L'objectif est en 35. Voilà. S'il vous plaît, merci. 3, 2, 1, go! Je vous laisse avec la musique. Bon, 21 secondes 40, ça va. Saleté de Carvana. Attraction réussie. C'est un nouveau record. Tu gagnes 150 B. Ouais, bon voilà, nouveau record. Moi je l'ai dit avant, j'en ai rien à foutre. Voilà. Je te croyais pas capable de finir cette attraction. Si toi et tes petits amis venaient jouer à cette attraction, je ne risque pas de m'ennuyer. Et plus besoin d'être le maître de cette zone. Et aussi, comme promis, l'éclat de prisme. Tiens, prends-le. C'est le quatrième. Au fait, pourquoi tu collectionnes ces éclats? Hein? Mew te l'a demandé en rêve? Oh, en effet. Le Poképark est en danger, et moi je ne pense qu'à moi. Ah, c'est vraiment mesquin de ma part. J'arrête, j'arrête, je ne veux plus contrôler la zone balnéaire. Va le dire à Alligator. Tu es devenu ami avec Léviator. Veux-tu sauvegarder la progression? Oui. C'est sauvegardé. Ah, c'est super. J'avais la chair de poule. On va aller voir les gâteurs donc. Tiens, encore une bouteille en plastique. Bah, au moins ce sera fait. En gros, moralité, le recyclage, c'est bien. Oh, notre parasol. Se sent peut-être un petit peu seul, non, le parasol. Bref. Arrêtons de dire des bêtises et allons voir les gars tueurs. Et on va découvrir la nouvelle zone aujourd'hui. Hein. La zone glaciaire. C'était juste pour ce cri. C'est énorme. Vraiment, le père Léviator est revenu à la raison? Sacré lui. Il a beau être capricieux et colérique, c'est un brave gars. Quand il a annoncé qu'il devenait le maître de cette zone, je me suis inquiété en me disant qu'il avait de la fièvre. Eh ben en fait non. Mais maintenant tout est réglé, plus de soucis à se faire. Allez, je vais te dégager ce rocher en moins de deux. Écarte-toi. Eh oui, c'est la joie.
C'est l'allégresse. C'est beau. Pikachu! C'était dingue ce bruit. En fait, c'était Alligator qui détruisait le rocher, hein. C'est quoi ça? Oh, de nouvelles têtes. Bonjour. C'est une montgolfière et ça sert à voler dans le ciel. Mais elle est dégonflée, on ne peut pas l'utiliser pour le moment. C'est dingue, ça sert à voler dans le ciel. Je vais ramener cette montgolfière à la place Union et voir si je peux pas la réparer. Avec, on pourrait partir chercher Salamèche et ça pourrait même nous aider à retrouver les éclats de prisme. Mais je vais avoir du mal à transporter ça tout seul. Je vais chercher quelqu'un de fort pour m'aider. Mais toi, tu vas à la zone glaciaire. Fais attention à toi. À bientôt. Voilà. La montgolfière à l'effigie de Pikachu, hein, bien sûr. Voilà. On va parler à la classe pour qu'il nous emmène dans la nouvelle zone. Tu veux rencontrer Pangoléon? Je peux en effet t'amener jusqu'à la zone glaciaire. Mais je ne sais pas si tu pourras voir le maître de cette zone. Pangoléon. Il a fermé son cœur et s'est coupé du monde. Mais il n'y a pas que lui qui m'inquiète. J'ai l'impression que depuis quelque temps, tout le monde dans le Poképark s'éloigne peu à peu. Tu n'as pas cette impression toi aussi? Tu vas aller à la zone glaciaire? Oui. Bien. Saute sur mon dos. Et te voilà dans la zone glaciaire. J'espère que tu pourras rencontrer Pangoléon. Emprunte la pente du milieu et remonte-la jusqu'au bout pour atteindre le portail. Pangoléon se trouve de l'autre côté. Fais-lui le bonjour si tu le vois. Si tu voulais retourner à la zone balnéaire, viens me parler. Je te ferai traverser la mer à nouveau et cela nous permettra de devenir encore plus proches. Ouais, plus amis quoi. Ok, donc nous voilà dans la zone glaciaire. Je kiffe la musique. Je kiffe cette musique. Déjà, hop. Quel froid! Vite, retournons à la zone balnéaire. Il paraît que Léviator s'est calmé d'ailleurs. Oui, la course dis-tu? Ouais. C'est bon, d'accord. 3, 2, 1, go! Alors on va faire attention aux obalis. Non mais obalis, t'es chiant! C'est bon. Bien joué. J'ai perdu. Mais on pourrait devenir amis. Comme ça, tous les crabis du Poképark seront aussi tes amis. A très vite. Je ne t'avouerai pas la prochaine fois. Tu es devenu ami avec Krabby. C'est génial, hein, n'est-ce pas? Ouais, je trouve aussi. Maintenant, Gobou. Tu sais quoi? On dit que Pangoléon, bah, il a gelé Mamochon. Tu te rends compte, tout le monde s'inquiète pour eux. Tu veux faire un défi? Moi, j'adore jouer à cache-cache. Allez, cache-cache? Oui. D'accord, je vais me cacher. Alors là, ça va être chaud. Tiki-ding! C'est pas lui là-bas? Ah non, ça c'est Pijako. La 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 la. Ça c'était beau l'action, j'ai foncé dans la caisse pour revenir en arrière pour lui parler. C'est magnifique. Ah, tu m'as retrouvé. On rejouera, hein. Devenons amis. Tu es devenu ami avec Gobou. Super. Maintenant, au Bali. On glisse bien, c'est génial. Mais il paraît que c'est encore mieux sur le glisse-glace. La course, ce sera bien. Oui.
on va pouvoir commencer. Alors cette fois on va faire grâce au Krabby, s'il vous plaît. Ouais voilà. Reviens là, salaud. C'est bon. Bien joué. Tu es rapide et je l'ai à toute vitesse. Tu ne voudrais pas qu'on devienne amis? On rejouera ensemble. Tu es devenu ami avec Obali. Voilà, comme ça, ça nous permet un petit peu d'avancer. Alors, bah, avance. Donc, on remonte la pente du milieu pour aller voir notre ami Pingoléon. Enfin, il n'est pas encore notre ami, mais ça ne saurait tarder. Cette musique. Là, là. Que de mon souvenir. On va parler à Cochignon. Tu n'as pas l'air d'ici, toi. Si tu veux voir Pingoléon, notre maître, il est de l'autre côté. Mais il a gelé le portail et on ne peut plus l'ouvrir. Un costaud comme un mochon pourrait le débloquer, mais il s'est disputé avec Pingoléon et il a été emprisonné dans la glace, pardon, de l'autre côté du lac. Je peux te demander une faveur? Tu peux sauver Mamochon? Le lac est au bas de la pente, sur le chemin le plus à droite, quand la route se sépare en trois. Ok, bon, ben on va délivrer Mamochon. Ah, donc là, backtracking de ouf. C'est pas vraiment du backtracking, mais bon. Donc Mamochon est... le lac il est où? Une baie, toujours sympa, hop. On a vu le lac tout à l'heure, non? D'où j'ai rêvé. Il a dit sur la droite, c'est ça? Ouais, là je pars à gauche. Wow, mais je suis en train de bousculer tout le monde là! Où est le lac? J'avoue que je ne sais plus, c'est pas grave, on cherche. Voilà, et en même temps, stop! En décorant l'arbre gelé, on le rendrait encore plus beau. Si seulement quelqu'un pouvait s'en charger. Cadoiseau vient faire des cadeaux. Donc, on va aller voir Cadoiseau. Tu es devenu ami avec Obali, alors voilà une décoration. Pour que tu sois aussi joyeux que ces boules décoratives. Prends ça et va regarder l'arbre gelé avec. Allez, Kyria. Quel oiseau distribue des décorations? Si tu en recevais une, viens regarder l'arbre gelé avec. Ah ben voilà. Carapuce est venu voir l'arbre gelé. Ok, on continue. Bon bah... Octiri, c'est un combat lui. C'est toi le fameux Pikachu. Tu as déjà essayé l'attraction de Pingoléon? Obali me disait qu'il ne fallait pas cogner le mur parce que ça te faisait perdre de la vitesse. C'est logique. Mais bon, moi je peux pas essayer cette attraction. Un duel? Oui. On commence. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oh là là, notre énergie a augmenté, donc du coup on est à 3 barres. Merde, Ruby. C'est bon. Bien joué. Et pile entre les deux obélis. Génial. Tu te débrouilles vraiment bien. Tu ne voudrais pas devenir ami? En faisant plein de duels, tu peux avoir encore plus d'amis. Tu es devenu ami avec Octiri. On dit que c'est toi qui as réconcilié Léviator et Alligator de la zone balnéaire. Tu n'es pas plus grand que moi, mais tu es vraiment quelqu'un. On fait un duel? Ouais. Super, prépare-toi.
Super, il y a un petit Ricky qui se met dans le passage. Non mais je veux pas me casser. Ouais, je pensais que ça allait passer. Mais non. Putain, il s'est pris le... Le télésage. Tu es fort, je veux devenir ton ami. On peut se faire encore plein d'amis. Reviens me voir. Tu es devenu ami avec Carapuce. Bon, du coup, avec tout ça, est-ce que Cadoiseau va nous donner encore un cadeau? Tu es devenu ami avec Carapuce. Alors voilà une décoration. Pour que les graines semées portent leurs fruits. Prends ça et va regarder l'arbre gelé avec. Il y a Givrali là-bas, je vous rappelle les défis les défis Evoli, c'est la course. Lipouti est venu voir l'arbre gelé. Voilà, comme ça on débloque du monde. Alors, une baie, hop là. On va débloquer aussi la rive Gros Drive. Voilà. Gros Drive, on est là. Voilà, ça c'est bon. Givrali maintenant. Givrali. De quoi? Je ne veux pas d'amis pour le moment. Mais à la réflexion, si tu arrivais à te faire 45 amis, peut-être bien que je serais d'humeur à sympathiser. Qui sait? 45, on en a combien? 44. Évidemment. Évidemment. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Ah ben, on a les poutines, là. Bon, voilà. Hop là. Je suis venu voir l'arbre gelé. Et prendre plein de photos. Ce serait bien si Pingoléon venait. Et si on faisait un duel? On commence. Doing, doing. On va essayer de tenir, tiens. Parce que j'ai toujours pensé d'un genre... Oui, je peux faire ça derrière. Ah, c'est cool, je me souvenais plus. Bon, ben voilà. Et sans prendre un dommage. C'est beau. Tu es fort. Il vaut mieux qu'on devienne ami. Tu es devenu ami avec Lipouti. Ok, donc du coup, Cadoiseau a-t-il? Tu es devenu ami avec Lipouti. Alors voilà une décoration. Pour que se réalisent les rêves de ceux qui y croient. Prends ça, il va regarder l'arbre gelé avec. Ouais, en fait, pour débloquer une décoration, faut être ami avec le Pokémon qui apparaît quand on rapporte une décoration à l'arbre gelé. Farfuret est venu voir l'arbre gelé. Ah ben, on le voit là, même au champ. On le voit. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on aille le voir à... On va aller le voir d'abord, Givrali. Mais tu as beaucoup d'amis. L'amitié est aussi belle et pure que les cristaux de neige. Elle peut fondre aussi parfois, comme ces cristaux. Mais cela fait de bons souvenirs malgré tout. Tiens, je suis en forme. Givrali. Tu ne voudrais pas, dit, faire un duel? Jouons à faire la course. Commençons alors. Alors faut faire gaffe parce que comme vous le savez, nos amis Givrali, nos amis Evoli, pardon, évolution d'Evoli vont très très vite. Mais on l'a rattrapé. Bien joué. Oh, tu m'as rattrapé. Mais voilà bien longtemps que je n'avais pas joué avec quelqu'un. J'ai beaucoup aimé, devenons amis. Comme tu peux le constater, perdre est une chose que j'arbore. Que j'aborde, pardon. Et donc la prochaine fois, je gagnerai. Tiens-le toi pour dit. Tu es devenu ami avec Givrali. Bon, du coup, j'aimerais bien aller voir ce lac. Est-ce que c'est symbolisé par ça, non? Ouais, le lac. Donc le lac est de ce côté. Ah, Farfuret. Ah, il est juste en dessous. On a l'arbre gelé et plein de trucs dans la zone glaciaire. C'est vraiment bien. Au fait, t'es au courant? Braise et Galine de la zone ardente ne supportent pas la moindre mauvaise action.
J'ai pas intérêt à y aller parce que je suis trop un bad boy. Oh, t'es trop badass, vas-y. T'es trop un rebelle. Alors, la course, ça te brancherait? Oui, je file dedans. 3, 2, 1, go! Vas-y, tu ne t'en tireras pas comme ça, forfuré! Je te jure que je te rattraperai, je te tuerai! Non, quand même pas. Voilà, bien joué! T'assures, faut qu'on devienne pote! Hé, tu sais quoi? Je peux participer à la course indienne de boules de nœuds. Alors, n'oublie pas le moment venu. Tu es devenu ami avec Farfura. Farfura. Oui, alors la course en lien de boule de nœud, hein, on l'a pas maintenant. Hein. Faut avoir accès à une autre zone. La zone hantée, si je me souviens bien. Il y en a un qui veut parler là. Teddy Oursa. Teddy. T'as vu? De l'autre côté du lac, Mamochon est pris dans la glace. Quoi? Tu veux le sauver? Si le lac était gelé, tu pourrais le traverser à pied. Peut-être bien que mon article pourrait le geler le lac. Onigali est revenu. Ouais, mais je veux bien, mais il est où mon article? Bon, du coup, on va s'arrêter là. Un mystère à résolvir. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était quand même assez bien fourni. On se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode de Poképack, la grande aventure de Pikachu. Moi, je vais continuer à la suite directement. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de ce let's play formidable qui est Pikachu, la grande aventure de Wii, hein, sur Poképark. Voilà. Sur ce, tchou !